Coucou les petits amis! Mishka. C'est un conte de Marie Colmont, illustré par Olivier Talec. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons. Il était parti de chez lui ce matin-là, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre de chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Elisabeth. Sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours en peluche, avec le dessous des pattes en velours rose, deux boutons de bottine à la place des yeux, trois points de laine à la place du nez. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Elisabeth n'était pas gentille. Il lui fallait vingt cinq joujoux à la fois pour l'amuser, et quand on avait cessé de lui plaire, il n'était pas rare qu'elle vous secouât et vous jeta d'un bout à l'autre de la pièce. Tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. J'en est assez d'être jouer ici? grognait Mishka en se frottant les yeux de ses poings. Je suis un ours, après tout. Je veux aller me promener tout seul et faire un peu ce qui me plaît sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. Et bien que la chambre fût tiède, et tant qu'Elisabeth dormait, plaisante, Mishka s'était sauvé en passant par la chatière. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Il levait haut les pattes, l'une après l'autre, et chaque fois qu'il en posait une, cela faisait dans la neige un petit trou rond. Or, depuis bien cinq minutes, un roitelet le suivait. Ces roitelets, ces farceurs, Ça a la queue retroussée et ça sautille par ci, par là. On dirait toujours qu'il se moque de vous. Celui-là faisait ⁇ piou ⁇ piou ⁇ dans le dos de Mishka. Et quand Mishka se retournait, vite, il se laissait tomber dans un des petits trous ronds que les pattes de Mishka avaient fait dans la neige. Hum! Mmh, disait Mishka. J'avais bien cru pourtant en entendre. Et dans son trou, le roitelet mourait de rire. Mais tout de même, à la fin, du coin de l'œil, Mishka l'aperçut. Brrrr lui fit-il au nez en se retournant d'un seul coup. Pauvre roitelet! Il eut si peur qu'en volant il l'emmêlait ses ailes, et que ce fut miracle s'il ne tomba pas. Il se blottit sous un buisson et se tint désormais tranquille. Tra deridera, tra la la, chantait Mishka en continuant sa route. C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène à la campagne. Je ne veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre où la neige avait fondu, il trouva un pot de miel. Une paysanne l'avait perdu, sans doute, au retour du marché. Mais le pot de miel était fermé, et Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Après avoir essayé de toutes les manières, il devint furieux. Tiens, grande bête de peau, dit-il en lui lançant un coup de pied. Va t'en où te plaît et le pot se mit à rouler. Et, roulant, il buta contre une pierre. S'ouvrit en deux. Voilà le miel! Hum, mmh, mmh. hum! faisait Mishka en se régalant. Que la vie est belle dans les bois! Jamais plus je ne serai un jouet, ça! Non! Naturellement, quand il eut bien déjeuné, qu'il se fût bien frotté son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste en haut de l'arbre. Il grimpa donc, et s'installa dans les branches, et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. Deux oies sauvages s'étaient posées à la cime de l'arbre, pour se dégourdir les pattes, et on les entendait causer. Quand, quand, c'est le soir de Noël, disait l'une. Disait l'autre, c'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable. Secourir les malheureux. Réparer les injustices. Tiens, tiens, se disait Mishka, je savais pas ça. Et puis les oies s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau, tiré par un renne. Le renne était blanc, son harnais était rouge et parsemé de clochettes. Et tout ça était très joli. Et aussi dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur cette terre, assurément. Sur le traîneau, il y avait un grand sac, tout gonflé, tout bossu. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution comme c'est l'usage dans les pays du Nord, où il y a bien trop de neige pour qu'un bonhomme Noël puisse cheminer à pied. « Grimpe vite !» dit le renne à Mishka. « Tu m'aideras !» Oh, ça c'était amusant Le traîneau volait sur la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour à chaque village, à chaque maison, le renne s'arrêtait. Et Mishka, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un pantin, une trompette, tout ce qui lui tombait sous la main en fouillant dans le grand sac. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté sage petit joujou dans la maison d'Élisabeth, aurait-il jamais connu une nuit pareille de temps en temps cependant il pensait ⁇ Et ma bonne action dans tout ça Alors, on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable, à la lisière d'un bois. Mishka fourra la main dans le grand sac, tourna, fouilla. Il n'y avait plus rien. ⁇ Reine Oh Reine Il n'y a plus rien dans ton sac Oh! gémit le reine. Dans cette cabane, il y avait un petit garçon malade. Demain matin, en s'éveillant, verrait-il ses bottes vides devant la cheminée? Le reine regardait Mishka de ses beaux yeux profonds. Alors, Mishka fit un soupir embrassa d'un coup d'œil la campagne où il faisait si bon se promener tout seul et, haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, une deux, une deux, pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes, attendit le matin. Le bruit s'est enfui, Et mon histoire est finie. Au revoir les petits amis